J'allais dire, vous êtes où? C'est bon, vous avez venu juste un peu de pop. Vous êtes là pour discuter ou travailler? Alors, ni l'un ni l'autre. Je suis là pour taper. Les trois marteaux ne font qu'un. Je vous donne la permission de partir. J'arrive pas à lui parler, c'est bégayé. On s'éloigne la et on revient. La montagne nous donne sa force. Inventez l'humanitaire dans les salles de l'éveil. Je vous autorise à partir. Avec grand plaisir qu'on va aller le taper. Barat se trouve déjà à l'intérieur de la salle d'éveil. En avant! En avant! Ouais, je vais peut-être pas juste rentrer comme ça, non? Surveillez vos manières en présence d'une reine. Voilà, on va y aller comme ça avec eux. On est ok? Je n'en reviens pas. Cet endroit était déjà là à l'époque des titans. On en parlera plus tard, Dagran. On doit d'abord se battre. D'abord se battre. Oh, on y va en plus avec toute la famille. Bonjour. Tapez. Le haut mandataire Eric refuse que vous entriez. Vous savez ce que je m'en fous qu'il refuse? Je me charge de la porte. Ouvrez un chemin. Pas besoin de son avis, moi, je rentre. Hein. Des indésirables. Activez les défenses. Allez, venez avec vos défenses là. Venez. À tout cramer. Y'a d'autres défenses? Ah ouais. Ah ouais. Ah ça va, c'est juste des bouboules de feu un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait? Waouh. J'ai une bombe. J'en fais quoi de ma bombe? Ces bombes sont assez puissantes pour détruire les tourelles. Ah. C'était pour détruire les tourelles. Ok, excusez-moi. J'ai des problèmes avec ma vis. Y'a personne pour soigner? Ça vous dérange si je mange un petit casse-croûte pendant que vous vous battez? Excusez-moi. Hein. Ah bah voilà! Ils étaient pas rentrés en combat, eux. Faut venir aider un peu. Bon, ok, j'ai compris. Bombe, taper tourelle. Bouclier. Bombe. Tourelle. Il reste encore lui, là, qui est là. Faudrait le tuer, potentiellement, ça va pour être mieux. Mais en plus, ça crame sous les pieds. Je gère. Bombe tourelle. Bombe tourelle. Bombe tourelle. Voilà, c'est pas si compliqué. Tranquille, aucun problème. On est ok, c'est moi qui fais la suite. Ok. Ok, j'avance. Allez, toute seule. Nous devons vite rattraper Brint. Vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît. J'ai un petit frère en multi, c'est plutôt... Ça vous dérange si je commence à loot pendant que vous finissez le combat? Vous tapez pas les machins qui traînent, vous? Bon. Tapez! Nous approchons de la cave pierre. C'est là que sont gardés les terrestres inertes. Et si ces terrestres venaient à se changer en Scardine? Eh ben, on mourrait tous. Ouvre-moi ces portes, petit! Et vite! Ouvre les portes, petit! Et vite! Ouvre les portes! C'est pas fait magné qu'il demande. Alors faut le faire.
Papa Magné demande d'ouvrir les portes. Ouvre les portes. T'as besoin d'aide? Je viens t'aider. Cette configuration, j'ai lu un livre dessus. On peut ouvrir la voie en alignant les runes comme il faut. Ok. Est-ce que tu veux bien t'occuper des runes et de ton machin? Gardiens, forcés à se transformer en ces créatures contre leur gré. Et moi je tape. À protéger Dragan pendant qu'il travaille sur la... Ok, donc on est à 10%. Ne vous éloignez pas, je soignerai vos blessures. Ah, ça c'est gentil, merci bien de soigner mes blessures. Un prêtre dans un groupe, c'est toujours utile. Un heal dans le groupe, c'est toujours nécessaire. Vous voulez pas venir, vous? Moi je viens vous taper. La meilleure défense, c'est l'attaque, non? Il sort d'où, lui? Dragan, ça avance? Prends ton temps, hein, y a pas de problème. Il y a un gros limon violet qui arrive, tout moche. On dirait un peu ça, un cerveau, le machin. Là, prends ton temps, y a pas de problème. On a tout notre temps. Et en plus, il met de la merde partout. Ah, bravo. Ma boule... J'ai presque fini. Mais ça attaque dans le dos, en plus. Mais c'est que ça attaque dans le dos, quoi. Mais c'est pas très fair play, ça. C'est bon, c'est ok. C'est ok. Ah bah non, c'est pas ok. Enfin, il y en a plus un encore. C'est vrai, j'ai un bouclier multiple que je peux mettre éventuellement sur mes alliés. Et ça marche en plus sur les PNJ. Bah, prends ton temps. Moi, il y a des mecs qui partent vers le nord, là, enfin vers le haut. Ils vont où? Vous allez où, là-haut? Qu'est-ce qu'il faut? C'est pas censé nous taper? C'est bon? C'est bon. On peut avancer. Il y a tant de Scardines. Si seulement on avait su la vérité plus tôt. Ah bah, en même temps, on est arrivé un petit peu tard, nous aussi, on vient de débarquer quand même. Bon bah, j'avance, hein. Je passe devant. Vous êtes implacable. Mais vous vous trompez. Mes golems vous feront peut-être comprendre votre erreur. Même pas peur. Ok, il y en a un, il a un bobo et pas l'autre. Il y en a clairement un qui a un bobo et pas l'autre. Changement de bobo? Ok, changement d'ad à taper. Pas un problème, hein. Faut changer, je change, hein. Maria, tu heal toujours, hein, j'espère. Ça sert à rien de le taper, le mec, il a toujours sa barrière, c'est bientôt fini, calmez-vous. Voilà. C'est beau, c'est ok. Vous voyez, c'est pas si compliqué.
Bah alors, ça fonce dans le tas sans moi, ça? Bah ça m'attend même plus, hein. Dragan, la porte, s'il te plaît. Je ne laisserai jamais le peuple de Brass se changer en monstre. Cette salle me semble différente. Vous ne trouvez pas que les murs ont l'air plus vieux? J'ai déjà vu ce genre de salle. Il y a des machines des titans ici. Dehors, les terrestres ont recréé les machines. Mais les anciennes n'ont pas changé. Par contre, faudra m'expliquer. Les mecs, c'est quand même des nains. Et ils te font des salles de 30 mètres de haut. C'est vraiment nécessaire? Par contre, sympa l'ambiance, j'aime beaucoup. C'est joli. Photo. Attendez, même... Voilà, photo... Non, te retourne pas, te retourne pas. Je me suis fait de touche. Voilà. Photo comme ça même. Ouais, toujours photographe. C'est la fin pour vous, ô mandataire. Tout le monde sait ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, nous sauver tous. J'ai trouvé l'instrument de notre salut. Vous voulez nous changer en vulgaire Scardine? Mieux vaut vivre en Scardine que de mourir en terrestre. Ouais, je suis pas très d'accord avec lui. C'est pour que les forges par les titans puissent passer. Ouais, c'est possible, ok, effectivement. C'est une bonne raison. Les forges, c'est un peu gros, j'en conviens. Ouais. Champignon, bienvenue à toi, bienvenue chez les petits chats. Comment est-ce que tu vas? J'aurais peut-être pas dû utiliser tous mes trucs contre lui, moi. C'est lui le vrai boss, en fait. Oh. C'est fini. Maintenant, avec ce pouvoir, tous les terrestres s'éveillent en moi. Tout est perdu. C'est terminé. Grand-père. Tu peux empêcher ça. Je t'ai vu utiliser le don d'Azeroth. C'est toi. Tu es le seul à pouvoir les sauver. Mani. Il est temps. Bon grand-père, tu as sauvé ces gens. Je...
sortir. Vous m'avez éveillé. Qui êtes-vous? Je suis Manny. Manny. Mais moi, qui je suis? Soyez qui vous voulez être. Magni, Imani, il m'a fait peur là quand même. Genre vraiment. J'ai cru qu'on allait le perdre aussi. Wow. Faut pas faire ce genre de choses. Hein. Aïe aïe. J'ai vraiment eu peur qu'on le perde. C'est bon, il est redevenu normal. Il est plus fait de diamant, cristal, je sais pas quoi. Il est redevenu on ne peut plus normal. Ouais, je sais pas, je fais le ménage au passage. Hein. Faisons le ménage. Coucou Dark. J'y ai cru aussi, sa fille. On est d'accord. Hein. On est d'accord, on y a tous cru. Hein. Clairement. Hein. Ben, je tire ça jusqu'où, moi? Eh ben, c'est le bordel ici. C'est passé quoi? Je suis partie 5 minutes, c'est le bordel. Faut tout nettoyer. Bah, Manny, ça va. Par contre, c'est qui celle qu'on vient de... Oh, mais non, mais il y a du bordel aussi, ici. Da, nettoie le bordel. Dommage, il était plus facile à vendre quand il était en diamant. Violence. Le pauvre. Je veux le Nubien en race jouable. Ah. Là-dessus... Ça sera sans moi. Ouais, non, ah non. Manny! Par contre, la fille, c'est qui qu'on a vu? C'est juste une fille normale, lambda, random parmi ceux qui l'a sauvée? Ou vraiment, elle a de l'importance? Je sais pas, on verra bien. Vous vous adressez à la reine régente du clan. Ouais, Sanctuaire. La reine régente, on a compris! Si vous entendez quelque chose d'important, prévenez-moi. Nous on en parlera. Survivrons, comme toujours. Oui, on survivra. Elle assistait, à la conversation. Faites attention. Nous n'avons jamais connu d'autre règne que celui du haut mandataire. Mais il n'est plus l'un des nôtres. Il vous faut donc un nouveau haut mandataire. Ouais. Et Brint, vous êtes la terrestre idéale pour le poste. Moi? Développez donc. Vous prenez soin de votre peuple comme personne. Pas en le commandant. Mais en l'écoutant. Alors vous comprenez que je laisserai mon peuple décider. Je pense que leur décision est prise. Garde d'honneur en attente de vos ordres. Si vous acceptez la position. J'accepte. Je suis la haute mandataire. Bravo! Bravo! Félicitations pour la promotion! C'était la haute mandataire maintenant. Félicitations à toi. Venons-en au fait. Que votre marteau frappe juste. Je vous donne la permission de partir. On est ok? On est ok. On s'en va maintenant ou comment ça se passe? On va où? Pas loin. On va à côté. Oh, le peuple est content. Le peuple est d'accord? Le peuple il te suit. Ça c'est beau. C'est beau, non? Je crois qu'on va continuer à faire le ménage parce que... Parce que tout ça, ça m'embête. Hein. Marque la race des liches en jouable aussi. Les liches! Alors, je sais pas pourquoi, Dark, mais je dirais... Je dirais que... Comment ça s'appelle? Lich King, ça doit être ton extension préférée, à mon avis. Je pense, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais... Je pense que tu dois bien aimer Lich King, non? Ouais, t'as tout compris. Ah, je suis trop forte. Ah, j'ai tout compris. Vous avez vu ça? J'ai tout compris. Aha!
Bah c'est bon, c'est fini le ménage ou... C'est vrai qu'il travaille quand même. On veut jouer des Murlocs aussi. Les Murlocs. Ok, ça me fait une quête de valider, voilà. Hey, nous, amis, d'accord ? Affronter grand machin ! Affronter grand machin ? Il a vraiment dit affronter grand machin ? C'est vraiment mon copain ? C'est un machin ? Par contre, je sais pas où je vais en fait, moi là. Je ne sais clairement pas où je vais. Je vais pas me la suivre, celle-là ? Suis cette quête. Si tu veux, toi encore. Non, tu veux rien ? Pas oublié, moi, utile ! À qui je... Attends, c'est quoi la quête ? Qu'est-ce que tu fais ? Parler au crieur, machin. Il est où ? En même temps, il y a des gens qui se baladent avec des yaks. C'est lui, faut parler. Pas demander provenance. Je demande pas provenance. Et des petits chats aussi. Je suis un chevalier de la mort et chef de guilde Empire féotique. Ok. Apportez plus de qui brille. Je lui ai parlé, donc moi, on est ok. D'autres choses pour vous. Tu vas trouver d'autres choses pour moi, c'est cool, c'est gentil, merci. Vraiment, beaucoup merci. Gloire à la machine. Ah non, je veux pas faire ça, moi. Levier. Fais gaffe, je touche surtout. Ah, tu veux la pression de la mesure de... Ok. Le tuyau. Taper le tuyau. Pourquoi je fais ça, moi ? La console. Pourquoi je fais ça, moi ? La vanne d'arrêt. Ah, t'es chiant. Ah non. Je m'en vais. C'est bon, je démissionne. Salut. Parce que tu n'arrives pas à dire non. Non, si, je me casse. C'est bon. Surveillez vos manières en présence d'une reine. Succès, voilà. Elle veut pas travailler. Non, je travaille pas, je m'en vais. la quête vol sacré. Mais c'est embêtant ça, elle est où votre quête ? Excusez-moi. Eh bien, j'écoute. Maintenant que tu es différent, comment ça va? Je me sens léger, comme si j'avais porté un fardeau depuis longtemps, comme si on m'avait enfin pardonné. J'avais des dettes à payer. Le pardon ne devrait pas être facile. Quand j'étais jeune, on a eu beaucoup de conflits. Il y a des choses impossibles à oublier. Quand tu étais sous ton autre forme, je savais une chose, tu apprenais. Je ne voulais pas te pardonner. Que tu oublies tout ce que tu as fait. Ce que tu as commis. Comment tu as changé d'avis ? Je vous observe, toi et Dagran. Ils te considèrent différemment. Ils voient qui tu es devenu. Tu es là pour lui. Petite, mon ancienne vie. Je ne peux pas vivre comme ça. C'est vrai. Tu dois être là et faire le nécessaire. Pour nous deux. On voit à quel point tu comptes pour Dagran. Je comprends. J'ai changé. Et ma vie a basculé. Je ne veux pas vivre dans le passé. Je veux un avenir pour notre famille. Je me réjouis que nous ayons encore un avenir. Désormais, je vais de l'avant. Une nouvelle aventure nous attend. Waouh, une toute nouvelle aventure nous attend.
Mais moi, je sais pas où est mon aventure, la suite. Et ça, c'est un problème. Où est la suite de mon aventure? Je dois prendre une quête, mais je sais pas où elle est. C'est problématique, non? Généralement, c'est quand même un icône un peu particulier, la quête de... Ou alors, peut-être que j'ai pas le level. J'ai peut-être pas le level pour prendre la suite, c'est possible, ça? Non, pas possible. Pas possible que j'ai pas le level. Ok, bah je ne sais pas où est la quête. C'est un problème. Ok, j'ai rien dit, en fait elle est juste là. Je me prends la tête pour rien, c'est juste là. Merci Zed. Juste dehors. Salut Anduin. La fille qui cherche pendant 20 ans alors qu'il suffisait juste de sortir du bâtiment. Campagne terminée. Je ne manque jamais d'essayer. Anduin, tu pouvais pas venir me voir, non, t'abuses. Tant de gens sont morts. Mais la galerie primaire nous était fermée. Les édits assermentés, eux, ne prévoient pas l'aide à une autre culture. Notre soutien leur serait peut-être aussi utile. Merci pour votre aide, Adelgon. Il part. Anduin, reviens. Abandonneur. Tu vas où comme ça? Et moi, je vais où? Pour monter? Bah. J'arrive. Est-ce que tu prévois de faire 100% de l'extension en live? Je ne sais pas. Ce que je compte faire, en tout cas, c'est toute la campagne. La campagne des sueurs, je la fais entièrement en live. Vous ne raterez rien. Pour le reste, je ne sais pas encore. Ouais, non, c'est on connaît pas ici. On n'est jamais venu, on est d'accord. Hein. Oh! 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 Photo. Wow! Ça, joli. Par la lumière. C'est aussi vif que le soleil. Ouais, c'est joli, c'est ce que je viens de dire, Andrew. Merci. Sont des aéronefs? Mais nous sommes sous terre. Je sais pas, moi, je comptais sur toi, mon dieu. Dis-nous tout. Je vous aiderai de mon mieux. J'entends le chant radieux. Il émane de ce cristal. Anduin ! Attends-moi ! Anduin, t'as des pop. C'est juste une lampe, comme on en trouve à Ikea. Ah, elle est balèze la lampe quand même. C'est pas de la petite lampe, hein. Plante. C'est pas une toute petite lampe, hein. Oh, regardez cette petite cité toute mignonne, toute choupine. Franchement. Les Nérubiens ont franchi le mur de l'égide. Nous avons dû reculer devant la nuit. Votre peur du noir nous tuera, général. Si nous voulons survivre. Silence, Falotière. Nous ne sommes pas seuls. Qui êtes-vous? Saphira, bonjour. Ravie de vous rencontrer. Du coup, vous avez peur du noir, c'est ça? On dirait que là, le truc, il est planté depuis l'extérieur.
Mais on n'est pas en dessous de Silithus, on est d'accord. Hein, imagine, parce que je me suis dit, imaginez, c'est la pointe de l'épée de Sargeras. Mais je pense pas. Ça aurait pu, mais je pense pas. Mais il est magnifique ce cristal. J'aime bien cette zone. J'aime cette zone. On va passer un peu de temps ici. On bonjour. On ne se cache pas devant le mal. On ne se cache pas devant le mal. On l'affronte et on le tape. Malgré tout, les Arati trouvent de la joie. Ne cédez pas à la peur. Je suis Férin, falotière de Sainte-Chute. Un chariot d'aide pour le mur est prêt. Voulez-vous m'accompagner ? Anduin, je suis un aventurier qui explore Khazad-dûm avec mon ami. Vous montez à bord ? Non, c'est pas ça, on y a tous pensé, mais on nous a confirmé que non. Bah, en vrai, ça m'aurait étonné quand même, parce que en vrai, si on regarde la map, on est ici. Silithus, c'est où déjà ? C'est là. Donc, c'est pas possible qu'on soit en dessous. Techniquement, si on regarde bien, c'est, voilà, c'est pas possible. Par contre, j'aime bien ton chat qui tire la charrette, là, il est mignon. Mais ce cristal est beau, et on a vraiment l'impression quand même, par contre, qu'il est planté depuis l'extérieur. Hein. Parce qu'avec les craquelures, là, ici, on a vraiment l'impression que... Il n'est pas juste accroché au plafond, mais il dépasse du plafond. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Nous sommes une lumière dans les ténèbres. On fait quoi ? On monte sur le chariot ? Vas-y, on monte. On va faire une balade. J'aime bien les promenades. Ce cristal... C'est une étoile. Beledar. La vision de l'Empereur, de la lumière sacrée. Une vision de la lumière, dans les profondeurs du sol. Nous sommes l'expédition de Sainte-Chute de l'Empire Arati. Nous avons suivi la vision sacrée de notre Empereur et traversé la mer pour Enilash, la bataille finale entre la lumière et les ténèbres. Pendant la traversée, nous avons essuyé une tempête. La flotte a été enveloppée d'un éclat doré. En un éclair, toute notre armada a été transportée ici. Vous affrontez les Nérubiens ici depuis tout ce temps ? Je n'étais qu'une enfant, la seule, quand nous avons fait naufrage. Les Nérubiens n'ont jamais cessé d'être hostiles. Ils remontent de leur royaume pour se battre et tentent de nous entraîner dans les ténèbres. Sous l'éclat de Beledar, l'armée de Heurtassier s'en tire bien. Mais ces insectes sont doués pour éteindre l'espoir. Les troupes falotières ont appris à charger dans les ténèbres. Nous sauvons les êtres égarés et rallumons les tours de l'aube. Ibi ? On y est. Bonjour. Férin, votre courage vous honore, jeune falotière. Son courage l'honore. Ne craignez pas la nuit. Suivez la flamme. Ils ont pas l'air bien, les mecs qui sortent de là. Hein. Nous devons affronter les ténèbres. Faut lire. Désolé, je lis pas. Faut lire encore, je lis toujours pas. Fouillez les ombres. Ramenez-les. Quand l'ombre tombe, une falotière se dresse. Si la nuit... La tour de l'aube ne suffira pas pour les retenir. Les Nérubiens se sont enhardis. Nous devons embraser la flamme clé sur le mur. La flamme sacrée maintiendra les Nérubiens à distance. Ok, c'est moi qui m'y colle, c'est ça ? Tout le monde disparaît, voilà. Anduin, tu disparais aussi, toi ? Voilà, tous des fantômes, en fait. Tous des fantômes là-dedans, moi, je vous le dis. Vivement à la prochaine zone. Soupir sadique. Ok ! Waouh, par contre, moi, j'avoue que ça a l'air vachement ténébreux, là-bas, des fonds. Ça fait très ténèbres, ténébreuses, hein. Pour allumer la flamme. Ah, il tapait plus d'araignées aussi.
C'est pas là. C'est où qu'on rallume la flamme? C'est en bas qu'on rallume la flamme, je sais pas quoi là. D'où on me maudit? Qui c'est qui a osé? C'est honteux. Eh mais t'es coriace toi? Eh mais faut mourir hein. Fais gaffe, il rigole pas dans le coin. Ah non, c'est des terriers des pupiens qu'il faut détruire. Ah c'est là! Excusez-moi! Faut taper les terriers. On va aider notre copine mage. Bon, c'est une mage givre, c'est pas une mage feu, elle a pas tendance à tout mettre le feu partout. Mais c'est une mage, alors on va l'aider quand même. Entre mages, on se soutient. On bosse à la cour toute la planète aussi, faut pas abuser. La lumière. Pas oublier la lumière. Bonjour. Je viens boucher vos tunnels. Parce que trop de tunnels tue le tunnel. En vrai, je devrais pas aider le copain mage. Je crois que c'est un mort-vivant. Givre fou. T'es pas un peu un mort-vivant, toi? T'es complètement un mort-vivant, en fait. T'es pas mon copain. C'est un mort-vivant. C'est pas mon copain, ça. Ah, il m'aide, lui! Ah, ah, il m'embête, hein. Hors d'alliance. Ouais. Tout est une question de point de vue, hors d'alliance. Hein. D'ailleurs, en parlant de horde alliance, Thrall et Jaina, pendant ce temps-là, ils font quoi, là? Ils étaient censés aller chercher la horde et l'alliance? Parce que là, on est encore en train de faire tout le boulot. Et les mecs, on sait pas trop où est-ce qu'ils sont. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Je dois d'abord choisir une cible. Petit casse-croûte. Bon, ok, le copain, il m'a peut-être un peu sauvé la vie, mais on le dira pas. Hein. Si on vous pose la question, il a rien fait. Ok? On est ok. Comme d'habitude, ils arrivent après la bataille. Bah ouais, bah sinon c'est pas drôle. C'est les mecs qui vont arriver après la bataille. Surtout Thrall, depuis qu'il a perdu confiance en lui et son marteau. Ah ouais? Il veut qu'on en parle de son problème de confiance en lui? On peut discuter. Hein. S'il a besoin, je suis prête à l'écouter, il n'y a pas de problème. S'il en ressent le besoin... On peut discuter. Bon, faut mourir. En vrai, ils font un gap de puissance là. J'ai l'impression que j'ai du mal à les tuer là maintenant. Il me faut du stuff, hein. Donnez-moi du stuff. Genre vraiment. Hein. Ça commence à être compliqué. Eh, hey, d'ailleurs, on aurait pu aller dans la ville de la lumière là. Hein. J'ai mon... Voilà. Ok. Ok. Si vous êtes ok, alors c'est ok. Si tout est ok, on est ok.
Laisse-moi tranquille, espèce de grosse araignée super moche. Voilà. On est ok, on est tout ok partout. Non, on n'est pas tout ok partout, il y a un tout. Vol, petit qui font vol. Ah, j'ai tout ramassé, je crois. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Pas de panique. La lumière. La lumière porteuse d'espoir. Bonjour. J'ai hâte d'entendre votre histoire. Nous aidons ceux que les ténèbres égarent. Ah bah écoute. Je crois pas que c'était en bas. C'est à qui que je vais aller maquette là? Il est où le monsieur? Ah, il est là. C'est la madame. Excusez-moi, mon madame. Espoir, avive mon espoir. Le feu est dans mon cœur. Oh mais non, mais ça va, oui, j'ai un café. Madame, tu pourrais pas m'aider à le taper, non? Non, tu t'en fous. Ok. Ok, elle s'en fout. Pas de problème. J'arrive pas à lui parler. Ah, les béguilles. Faut s'éloigner et revenir dans ce genre de cas, c'est rien, c'est juste qui arrive. Nous devons pas dramatique. Servir quiconque en a besoin. Nous autres Arati sommes consacrés dans la flamme sacrée. N'abandonnez pas les miens sur le terrain. D'accord. Partagez ma lumière. Tapez les nérubiens. Nous entretenons les tours de l'aube. Ça va comme quête, hein. Tapez les nérubiens, je pense qu'on est ok. Sur le taper, on est ok. Boule de feu! Dans ta tête! Dans ta tête, dans ta tête, dans ta tête, boule de feu! Bam! Tapez! Pas juste! Tapez, tapez, tapez! Toujours tapez! Vous venez, Rubien! Non! Nérubien, pas gentil. Nérubien, taper. Taper, c'est la vie. Ça tombe bien, on tape. Il faut taper. Alors, on tape. Nérubien, gentil. Non. En plus, techniquement, on va peut-être les sauver, les Nérubiens. On peut peut-être arriver à les sauver. Parce que, moi, de ce que je sais, Madame Xalatax, elle a corrompu Nérubien. Alors peut-être nous pouvoir sauver Nérubien de la corruption de Xalatax. Mais pour ça, tapez Nérubien. Il faut savoir taper pour mieux sauver. Et moi où c'était encore le mort-vivant? Ce mec, il est partout. En fait, on est en train de les brûler quand même. Hein. Bon, techniquement, ils sont morts, donc c'est ok. Mais on est en train de les brûler. Nérubien gentil, sirène, survécu à la trahison de sa fille. Ouais, c'est ça. Hein. Sa fille, elle l'a totalement trahi. Du coup, reine nérubienne qui était gentille, morte. Et fille de reine nérubienne, pervertie par Xalatax. Et pas gentille. Donc pour sauver Nérubien, pour que Nérubien soit gentil, tapez Nérubien. L'espoir suit les membres des Falotiers. Nous pensions que c'était de véritables Arati qui gardaient l'espoir au cœur des sombres. Ils cherchent la lumière de la flamme à présent. Venez, leurs tueurs sévissent encore. C'est la faute de la fille, donc il faut un conseil nérubien ou un héritier du trône ou héritière. Bah disons qu'il faut dégager la fille du pouvoir, quoi. Mais elle se laissera pas dégager du pouvoir comme ça.
J'ai pas tué assez de Néphébiens. Faut tuer plus de Néphébiens. Tuons plus de Néphébiens. J'ai l'impression d'avoir déjà vu la même chose, mais je ne sais plus où. Ah. Une impression de déjà vu ? La musique, c'est très religieux. Bah, tu sais, là, ils sont dans le culte de la lumière, donc... Je pense, ouais, ça va faire un peu religieux. La lumière, c'est leur vie, là. Clairement. Je crois que la lumière... Les Naru nous ont dit de pas oublier... Enfin, les Draenei nous ont dit de ne pas oublier la lumière des Naru. Mais oh... C'est une autre lumière. Des lumineux, j'appelle ça lampadaire. Ma... El lampadaire. Ouais, j'ai mis une petite baffe à l'autre, pour qu'il me compte. Discrètement, comme ça. Pouf! Voilà. Comme ça, ça me fait plus de Néphébiens morts. Eh, y a plus de Néphébiens dans ce pays. Je crois qu'ils se sont tous fait massacrer. Le pire, c'est qu'ils se font vraiment tous massacrer. Hein. Après, s'ils veulent de la lumière, moi techniquement j'en fais de la lumière. Cookie, 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 cookie. Une boule de feu, ça fait de la lumière. Pas de soucis. Vous voulez de la lumière, moi je vous fais de la lumière. Techniquement, moi je suis jamais dans le noir. Jamais. Je peux pas être dans le noir. J'ai toujours de la lumière, moi. Peut-être que je suis du coup la lumière. Ah, ah. Ah, ça donne à réfléchir. Hein. Ouais. Ouais. La flamme sacrée tempère nos esprits. Au service d'autrui, nous trouvons la flamme. Nous nous reverrons par-delà l'ombre. Regardez, les Néphébiens s'enfuient. Ils ne fuient pas, ils avancent. Ils veulent détruire nos quais aériens. Ah ! Ils avancent où ?